Dit interview zal in het Frans doorgaan, parce que je ne connais pas le catalan et l'espagnol assez bien. Et vous, le néerlandais, voilà, s'il vous plaît. En tant que spectateur, j'aimais beaucoup les films de Tarzan avec Johnny Weissmuller. Oui. Mm-hmm. Ça, c'était formidable. En plus, je les voyais bien sûr en noir et blanc, mais en cinéma. Et ça, je me souviens que c'était quelque chose de fascinant. Je pense que la plupart des gens de ma génération, moi j'ai 45 ans, donc je suis né en 70, on a été bouleversés par Star Wars. C'était comme, voyant Star Wars en tant que spectateur, c'était un choc. C'était une expérience, je me souviens déjà seulement les lettres déjà du début. C'était, qu'est-ce que c'est que ça? Mais à l'époque, on voyait les films une seule fois. C'était parce que nos parents, enfin mes parents, il fallait aller avec les parents. C'est pas comme maintenant que mes filles, par exemple, elles regardent un film, je sais pas, qu'elles aiment plusieurs fois à la télé. Puis, je pense qu'un autre film qui m'a beaucoup marqué, c'est Rumblefish de Coppola. C'est un des premiers films un peu, on va dire, hors genre, des genres classiques, qui m'a bouleversé. C'était un film bien plus lent que les films de gangsters ou les films d'aventure que je voyais un peu. Je devais avoir 14 ou 16 ans. Et je me dis, tiens, le cinéma, ça peut aussi faire réfléchir, ou ça peut avoir un autre rythme. Et pendant longtemps, c'était mon film préféré, qui a laissé sa place à mon film préféré aussi, qui m'a bouleversé, c'est 2001 de Kubrick. Et peut-être après, j'ai découvert le cinéma français, la nouvelle vague, et le cinéma moderne. Donc aussi Rossellini, Le voleur de bicyclette, c'est un film, je pense que c'est peut-être le film le plus parfait, si un film peut être parfait, aucun film, rien... Aucune œuvre humaine peut être parfaite, mais en tant que cinéma, je pense que Le voleur de bicyclette, c'est assez proche de la perfection. Et donc un peu, voilà, ça c'est un peu, en tant que spectateur, les films qui m'ont marqué. Un film que j'aime à la folie et que chaque fois que je vois, je pleure, c'est Johnny Guitar, que j'ai vu beaucoup de fois dans différents supports. Je me souviens que c'est un des premiers films que j'étais étudiant de cinéma, mais qui allait faire un premier film, et en même temps j'ai connu ma femme, qui donc on sortait ensemble, et pour un peu l'impressionner, je suis allé à la Cinémathèque, justement. Comme c'est un bon endroit pour draguer, surtout parce qu'on impressionne les filles comme ça. Donc je suis allé voir Johnny Guitar. C'était une copie absolument pourrie, avec toutes les couleurs virées, avec des rayures, avec même le son, et c'était magnifique. Donc c'était formidable. Les rayures et les problèmes de couleur et de son, c'est pas un problème dans le cinéma. Mmh. Et c'est un peu en tant que spectateur. Et ça me fait très plaisir aujourd'hui d'être ici et montrer ce film, parce que, comme en tant que cinéaste, c'est probablement le film qui m'a donné les deux moments les plus forts. Et c'est le premier jour de tournage. C'était une scène du premier tiers du film. C'est une scène où le protagoniste, il est avec son copain à échanger des cartons, parce qu'ils sont dans une affaire d'un truc qui a pas marché.
c'est pas une scène très importante, mais c'était le premier, le plan d'ensemble, c'était le premier plan que j'ai tourné d'un long métrage. Et pour moi, c'était en 35, c'était une expérience formidable. Et aussi, la plus grande, pour moi, le plus beau moment de cinéma, c'est quand j'ai présenté le film à Cannes, à la Quinzaine des réalisateurs. Cette première projection, cette première rencontre avec le public, c'est je pense, le moment de plus de jouissance que j'ai jamais eu. Et je ne peux pas m'imaginer qu'il peut y avoir un moment de plus de jouissance que ce moment de montrer pour la première fois à une salle toute pleine, en plus à Cannes, avec de mon premier film. Donc c'était un peu, voilà, un peu pour répondre à votre question. En fait, moi, je pense que toujours il faut essayer, pour comprendre des choses, aller chercher le père. Le père, c'est une figure dans nos vies, j'ai l'impression. Pour moi, c'est très particulier parce que j'ai un père que c'est le meilleur père que je peux imaginer parce que c'est quelqu'un de extrêmement doux, extrêmement gentil. Il m'a toujours et beaucoup aidé. Mais lui, je pense que il a toujours eu l'envie d'être un artiste. Il a jamais été un artiste. Il a été un avocat. Il a exercé comme avocat. Et je pense que sa vraie passion, c'est l'art. Il m'a toujours dit qu'il fallait que je fasse soit des finances, soit la loi, enfin des trucs comme lui. Mais en même temps, quand il me disait ça, mais moi je sentais que, en fait, lui il aurait voulu autre chose pour lui, et quand moi j'ai décidé d'être artiste, il a été content. Mais moi, au début, je voulais écrire, être écrivain pour le... Pour les cinéastes, en fait, je pense que, je ne sais pas maintenant, à notre époque, ça a un peu changé parce que l'audiovisuel a pris beaucoup de poids. Mais pour les cinéastes, en fait, on est tous, de mon époque, on est des écrivains qui ont échoué. Et c'est pour ça qu'on est tombé dans le cinéma. Et c'est mon cas. C'est-à-dire que moi, je voulais être d'abord écrivain, j'ai échoué. Après, j'ai essayé la peinture, j'ai échoué aussi. J'ai essayé la musique et là vraiment c'était catastrophique et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans le cinéma, donc à travers la photographie et finalement il y avait quelque chose de naturel dans le sens que je voyais beaucoup de films avec mes parents et par contre je n'aimais pas trop lire. Je voulais être écrivain, mais je n'aimais pas lire. Je voulais être peintre, mais je n'allais pas au musée. Donc, finalement, ce que je voyais, c'est beaucoup, beaucoup de films. Et c'est comme ça que m'est venue cette envie. Et la possibilité, un peu, c'est... J'ai étudié au lycée français de Barcelone, donc forcément, j'avais un rapport avec des cultures... on va dire étrangère, parce que mais la culture française n'est pas... Le mot étranger, ça convient pas pour moi. Mais c'est pas non plus ma culture, mais c'est pas une culture étrangère. Et finalement, je suis allé à Cuba étudier, et après en Australie, et mon cinéma aussi, je l'ai fait voyager. Pour moi, découvrir les autres, parler des autres, aller chercher l'autre. Mon dernier film, El Mancha Juventud, que j'ai montré hier, c'était aller chercher l'autre, mais dans mon propre pays, c'est quelque chose qui m'est tout à fait naturel. Quand j'étais à l'école de Cuba, je suis arrivé, surtout, j'avais vu beaucoup, beaucoup de films américains, comme tout le monde d'ailleurs, mais j'avais vu aussi quelques films européens ou des films asiatiques, mais plutôt peu. J'avais vu beaucoup de cinéma américain. Et à l'école de Cuba, j'ai découvert d'autres cinémas, d'autres cinéastes. J'ai découvert Tarkovsky, j'ai découvert Cassavetes, j'ai découvert Godard, j'ai découvert beaucoup plus
de cinéaste qui faisait d'autres choses. Et tout de suite, je me suis rendu compte, en observant ces films, que la clé du cinéma, c'était dans la pratique. J'ai commencé à m'intéresser du fait que ce qui produit une image, c'est une pratique d'être une pratique. Et si on change la pratique, l'image change aussi. C'est pas deux images de deux choses différentes se ressemblent plus avec une même pratique que deux pratiques différentes sur un même paysage, on va dire. Donc, je me suis rendu compte que la pratique était fondamentale. Et tout mon cinéma a consisté à trouver la forme filmique qui était adéquate pour le sujet en question dont j'avais envie de parler. Sachant que les sujets sont assez liquides, parce qu'on ne sait pas vraiment de quoi on veut parler. Et peut-être on parle toujours de la même chose, même si on change énormément les sujets. Mais c'est un peu comme ça que je suis arrivé à travailler sur les formes cinématographiques. Ça, c'est un des principes que, pour moi, était très important du début. Quand j'ai commencé à faire des films, je me suis dit... Je me suis rendu compte que quand je voyais des films, il y avait des fois que j'étais un spectateur passif. Il y avait quelque chose de très jouissif à voir des films comme ça. Et je pense que quelque part, de là vient le succès du cinéma classique américain. C'est un cinéma qui nous apporte beaucoup de bonheur. C'est-à-dire que c'est une expérience très agréable. Et on voit, par exemple, les enfants, mes filles, je leur limite beaucoup. Et elles me disent, mais pourquoi tu me limites si tu fais des films? Et donc je limite beaucoup le nombre de films qu'ils peuvent voir par semaine, un film par semaine. Et pour elle, c'est une expérience fascinante de voir des films. Et bon, elle voit des films pour leur âge, et souvent des films de Disney. Mais c'est vraiment une fascination pour le cinéma. Mais après, quand j'ai découvert cet autre cinéma, je me suis rendu compte que, en tant que spectateur, je pouvais être les deux spectateurs. On pouvait pas juger les films, ces deux types de films de la même façon. Il y avait des bons films d'évasion quand un réalisateur fait un bon film d'évasion, il a fait un super travail. Et c'est pas du tout facile. Et je suis très admiratif pour les bons films d'évasion. Et j'adore les voir. Par exemple, un film d'évasion que je trouve formidable, c'est le James Bond Casino Royale, par exemple. C'est un film d'évasion, et c'est extrêmement bien fait. Et je l'ai vu plusieurs fois. Mais je me suis rendu compte que un film de Tarkovsky ou de Pasolini me donnait un autre type de plaisir. Et me demandait un effort en tant que spectateur. Mais c'était une expérience artistique qui me rendait plus libre et plus et ça m'apportait quelque chose de plus humain, je ne sais pas comment dire. Mais on ne peut pas voir ça tous les jours, ça aussi, en tout cas pas moi. Donc il y a des fois où il y a un film, par exemple, il y a un film de Fassbinder que je n'ai pas vu, je le trouve un jour, je l'achète en DVD. Et il peut rester des mois, parce que je me dis, ouf, j'ai pas vraiment envie, et je vais peut-être voir Le Seigneur des Anneaux, d'autres trucs. Mais à un moment donné, c'est le moment pour voir le Fassbinder, et quand je le vois, c'est une grande jouissance. Donc je pense que, en tant que spectateur, il y a des fois où je veux travailler,
il y a des, c'est comme aussi c'est comme celui c'est comme un cuisinier, il y a des fois il veut faire de la cuisine ou il veut qu'on lui donne à manger, mais j'aime bien travailler certains films et c'est un grand plaisir qui me rend plus libre ou qui me rend plus humain ou qui me révèle des mystères qui sont importants parce que finalement on est là dans une vie qui est extrêmement mystérieuse. Aujourd'hui, je suis allé au musée Magritte et c'est vraiment bien. J'ai trouvé que c'était très particulier parce que le musée est très bien organisé et on a vraiment une expérience, en tout cas moi j'ai eu une expérience forte, malgré que j'ai l'impression qu'il n'y a pas les meilleures œuvres de Magritte parce que j'ai l'impression que les meilleures œuvres de Magritte sont peut-être ou ailleurs ou dans des collections privées, je ne sais pas. Mais il y a quand même quelque chose dans l'organisation et le parcours qui me touche. Et c'est ça qui est essentiel dans l'art. Parce que, à mon avis, il s'agit non pas forcément tout ou toujours de montrer ce qui est caché, parce qu'on veut le cacher, ou parce que c'est pas beau, ou parce que pour des raisons, on va dire, sociales ou politiques, mais de comprendre l'invisible. Le cinéma, finalement, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de films de mystère, parce que finalement, tous les films sont de mystère, parce que tous les films essayent, et je pense que toute œuvre d'art essaye de dévoiler les mystères, mais les mystères de la vie, on est en permanence dans une situation de profond mystère. C'est mystérieux comment on les rapports entre nous, quand on parle avec quelqu'un, et ce qui est fou, c'est plus c'est quelqu'un de proche, plus c'est mystérieux. Quelqu'un que l'on rencontre peut-être dans un dîner, on va peut-être, moi ça m'arrive, souvent que je rencontre quelqu'un et je parle de certaines choses que je ne parle pas avec ma femme. Et par ailleurs, parfois on me raconte des choses que je me dis, mais comment il me raconte ça? Et ça c'est un mystère psychologique, mais après les mystères spirituels, les mystères... Et pourquoi est-ce qu'on cache des choses qu'on connaît? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à savoir plus? Bon, ben, pour moi, le cinéma, c'est exactement... Quand je fais ainsi un film, c'est pas pour raconter quelque chose que je connais, mais c'est plus la pratique du cinéma, la caméra, ce qui me permet, c'est d'aller rencontrer une réalité, de la découvrir, et après de la partager. Et souvent, c'est bien plus après avoir fait le film et en discutant du film avec d'autres personnes que je comprends le film et que mon propre film se révèle ses propres mystères à moi-même. Donc, pour moi, je suis d'accord avec cette appréciation, mais je la restreins pas uniquement à quelque chose de politique ou social ou caché, mais c'est vraiment le mystère. Mais là, quand je parlais de... Quand j'étais jeune et je voyais un film de Tarzan, c'était un énorme mystère. Même, comment il peut tuer le crocodile? Ça, c'est un mystère. C'est incroyable. Et après, comment il peut... Il y avait aussi cette beauté de Jane, je ne sais pas, et tout était dans un... Et donc le cinéma, finalement, il nous apporte une vision, parfois très réelle, parfois très onirique, mais toujours dans la volonté de dévoiler les mystères. De film en film, il y a des... Je ne vais pas dire des défis, mais il y a des partis pris formels, forts, différents, même s'il y a une certaine filiation entre les cadres dans le cadre qu'il y a ici et le split screen dans La Soledad, par exemple. Ensuite, vous faites un film, Tiro en la cabeza, où il n'y a pas de dialogue. On n'entend pas ce que les gens disent, il y a énormément de sons autour. À chaque fois,
ces principes formels sont terriblement adaptés à ce qu'on voit. Ça, voilà, ça semble très vite naturel, donc on l'accepte naturellement. Je voulais savoir comment ça se passe, ça, ce processus de dire « bon ben voilà, je vais aller dans ce sens-là, ou je vais prendre cette décision forte, radicale ». Ça fait partie de l'enjeu dès le début, tout comme trouver une histoire qui me touche. Hein. S'il n'y a pas une forme, si je n'ai pas réfléchi, si je n'ai pas trouvé, si je n'ai pas imaginé une forme forte et assez évidente, il n'y a pas de film possible. Donc je ne peux pas travailler dans la transparence du langage, comme par exemple, encore une fois, les films américains, où l'on est pris tellement par l'histoire que la forme est transparente. On est comme si on était dans la scène et on vit la scène des personnages, comme si on était dans l'espace. Non, moi, il y a toujours des partis pris, et pas toujours les mêmes, parce qu'il faut les adapter au thème, et aussi parce que, je ne sais pas, j'imagine que pour moi, c'est de l'ordre de la recherche. Pour moi, le cinéma, c'est quelque chose de... Il y a une partie, une dimension, qu'on va dire, narrative ou dramatique, mais il y a une dimension aussi plastique. Et aussi, il y a cette dimension formelle qui... j'ai l'impression que pour le spectateur aussi, ça libère certaines émotions et certaines idées. C'est-à-dire, un spectateur, quand il est confronté à un dispositif formel dans une salle de cinéma, si le dispositif est suffisamment bien intégré avec le sujet, parce que si le dispositif n'est pas bien intégré, ça provoque un court-circuit qui n'est pas du tout agréable. Mais quand le dispositif est bien intégré, ce qui n'est pas forcément facile, il y a quelque chose qui se libère aussi dans le spectateur. Il y a des films que j'apprécie et je peux apprécier le travail de la musique dans certains films. Par exemple, je ne sais pas, il y a quelqu'un comme Tarantino qui fait un usage formidable de la musique. On ne peut pas s'imaginer ses films sans la musique. C'est tellement intégré, c'est tellement pensé à l'avance. Je ne sais pas, d'autres films comme Paris, Texas, de Wim Wenders, où il y a cette musique qui revient, ou dans Le Troisième Homme de Carol Reed, cette musique. Donc il y a toutes ces musiques formidables, par la musique d'Ennio Morricone, donc il y a un usage de la musique qui est, on va dire, acceptable. Oui, et même plus que ça, qui est très bien utilisé. Après, il y a un usage de la musique un petit peu automatique, un peu, que je trouve un peu, pour moi, moins acceptable, c'est systématiquement accompagner l'émotion. Donc s'il fait peur, on va faire quelque chose qui fait peur. Donc c'est souligné deux fois, parce que on pourrait peut-être penser que le spectateur n'a pas compris ou il ne va pas avoir la bonne émotion. C'est un peu comme dans les séries américaines à une époque de télévision, ils mettaient des rires. Donc c'est au cas où vous ne savez pas où est la blague, on met des rires. Non, bon, je ne sais pas, je crois que c'est pas le bon truc. Mais moi, finalement, je ne mets pas du tout. Pour moi, c'est plus simple, je ne mets pas du tout de musique. Je ne me prends pas la tête avec ces questions. Mais par contre, je dois utiliser d'autres éléments sonores d'une façon expressive. Parce que il faudra que... parce que le cinéma, c'est quelque chose où l'atmosphère est extrêmement importante. Et les grands réalisateurs, en général, c'est pour ça qu'on parle de metteur en scène. Parce que la mise en scène, c'est vraiment quelque chose d'atmosphérique. Et le son, c'est un élément d'atmosphère extrêmement important dans la vie, mais aussi dans les films. Donc j'essaye de travailler
le son d'une façon créative et atmosphérique. Mais je m'interdis l'usage de la musique. Si vous deviez précéder cette projection de quelques mots. Je tiens à remercier vraiment la Cinémathèque. Je tiens à remercier aussi Beaux-Arts qui m'a projeté hier mon dernier film. Aussi l'Instituto Cervantes qui a contribué à que je sois là aujourd'hui. Et aussi tous les gens qui m'ont soutenu au long de ma carrière, mes producteurs, mes techniciens, les critiques de cinéma qui ont suivi mon travail, les professeurs qui aussi ont suivi mon travail. Donc, et pour moi, c'est une grande émotion de voir que mon premier film, il est toujours vivant, parce qu'un film est vivant quand il est projeté. Je suis particulièrement content que la projection sera en 35 mm, parce que je suis un militant du 35 mm. Et donc, je sais que c'est de nos jours. Avant, le trafic des copies, c'était compliqué, ça pèse, on ne sait pas quoi en faire et tout. Mais c'est tellement plus beau que même s'il y a des rayures, même s'il y a tout ça. Et voilà, donc pour moi, mon premier film, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, beaucoup. J'espère que les spectateurs qui vont le découvrir, ils vont aimer. Et puis, sinon, ils sauront me pardonner. Un grand merci et bonne projection. Merci.